Est-ce que vous êtes là? It was a clear and bright September day. There was a chill in the air, and I was wondering if you still love me. Une fois n'est pas coutume, après la Suisse et son fameux Val Sinestra, c'est au Fort Darwish en Angleterre que nous vous emmenons dans ce nouvel épisode de La Nuit du Chasseur. Après de longues heures de route, nous arrivons au fort en fin d'après-midi sous le soleil de juin. Cet édifice militaire a été construit en 1808 pour défendre la côte anglaise des invasions des armées de Napoléon. Ce sont d'ailleurs des prisonniers français qui ont été utilisés pour sa construction. Malgré le but premier de l'existence de ce fort, il n'a jamais connu aucune bataille. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands emprisonnaient sur place les soldats anglais en attente de leur jugement. Le fort Darwish a longtemps été laissé à l'abandon, jusqu'à devenir aujourd'hui un musée. Plus que son histoire, ce sont les nombreux témoignages de phénomènes paranormaux qui nous ont conduits à tenter d'entrer en communication avec les éventuels fantômes du lieu. Un soldat, prénommé John, aurait été vu à plusieurs reprises. Les témoins disent que l'entité apparaît décapitée, portant parfois sa tête sous le bras. Alors que nous attendons que la nuit tombe, l'ambiance est plutôt au rire et nous savourons la chance d'avoir pour nous un tel lieu. Non, en vrai, vaquez à vos occupations. Ah, ça va être compliqué. Ok, ça vous va si on se met au milieu? Mm-hmm. Alors bonsoir. Ouah, ça résonne de ouf. Je m'appelle Vonette, je suis avec mon équipe. Il y a Chou, Laetitia et Vanessa qui bonsoir. Sont là. Bonsoir. On vient se présenter à vous déjà pour vous dire bonjour et pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. On est venu de France pour essayer de vous parler. On va vous proposer des expériences. On va essayer de vous enregistrer, on va essayer de vous filmer. On n'est pas là pour vous embêter. On ne vous demandera pas de partir à aucun moment, sauf si vous nous réclamez de l'aide. Et on ne vous forcera pas à rien faire. Si vous voulez participer à la soirée, vous êtes les bienvenus. Si vous n'en avez pas envie, nous comprenons. Bonsoir. Alors peut-être que vous avez déjà entendu Vonette nous présenter. On va le refaire ici. Donc je suis avec mon équipe. Donc il y a toujours Vonette, Vanessa et Laetitia. On est là ce soir pour essayer de rentrer en contact avec vous, si vous le voulez bien. On va visiter le lieu tout au long de la soirée, faire chaque pièce. Donc sentez-vous libre de venir, bien sûr, quand ça vous chante. En tout cas, nous, on va être avec des appareils parfois, il ne faut pas en avoir peur. Celle avec la brosse hélice, elle est là. Ouais, c'est ça.
chercher pour le morceau une prise. C'est de faire des jolies images. On a pris la seule pièce qu'il y a. Je le mets où? Oui, pour le bien. Alors que nous passons un peu partout afin de nous présenter, une voix qui semble dire « c'est moi » est enregistrée. On a pris la seule pièce qu'il y a. Je le mets où? On a pris la seule pièce qu'il y a. On a pris la seule pièce qu'il y a. Je le mets où? La seule pièce qu'il y a. Mais en fait, il n'y a pas de prise dans leur pièce, quoi. Non, mais c'est ouf. Là-bas ou pas? C'est quoi? Ah si, c'est une prise. Alors, non, je crois que c'est les... Ouais, mais regarde le son. Laetitia, en passant, a dû toucher le bateau avec son manteau. Et je suis d'accord avec toi, le son, il voyage, c'est pas possible, quoi. Je crois que c'était derrière moi, c'était fou. Merci. Je me suis encore. Comme d'habitude. Les réactions démesurées. Non, c'est... Ah, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de fois allumer un interrupteur là-bas? Je pense pas. Room, down. Ça va pas toucher. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Quoi? Brûle pas. Ah bon? C'était pas moi encore. Avec la résonance back, vu que j'ai cru que c'était... Tu peux le refaire? Bah ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est vous? C'est non, pas non, vous. C'est pas nous. Hello? Is that you? C'était féminin. Ouais. Hein? Ou enfant. Don't be scared. Hello? If it was you that we just heard, could you please try to make that again if you can hear me? Did you do the that we just heard? What did you? C'était fou. Et toi, t'as entendu des bruits de pas qui venaient de là? Ouais, en fait, du coup, je voulais juste que tu fasses clash avec l'interrupteur pour voir si c'était ça. Alors, du coup, je recommence. On était parti là-dessus. Je recommence? Ah, pas du tout, c'était pas du tout ça, les meufs. Et du coup, c'est... Mais c'est quoi ce truc? Non, mais c'est... Est-ce que ça peut venir de l'extérieur, à cause de la fenêtre ou pas? Can we do something for you? Do you need help? J'ai cru voir un truc blanc passer. Où ça? Dans une pièce ou pas? Ouais. Ça va être un des problèmes qu'on va avoir ce soir. Hein. Et puis, il y a tellement d'objets... Et comme il y a des courants d'air, ça va être dur de différencier en fait les bruits naturels des bruits paranormaux. Et en plus, ça va être dur de trouver, je pense, les origines des bruits. Parce que là, à moins de faire bouger tout ce qu'il y a dans cette pièce, ce qui est sûr, c'est que c'était là. Le truc, c'est que je vois pas si c'était pas une voix et si c'était un son naturel, ce serait plus un truc de métal qui grince, quoi. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dure, par exemple, un drapeau comme ça, qui bouge avec le vent. Un drapeau, un truc de drapeau, faire. C'était pas un bruit de bois ou un truc comme ça. Non. Pour moi, c'était plus un bruit de métal. Si ça doit être un bruit, c'est un bruit de métal.
là, on commence en fait. Oui, bon, oui. Hello. Hello. So as we say, we're here to try to speak with you, if you want. We know that this place is with a lot of history. We heard some noise in, maybe we think that we heard a feminine voice. But we are not sure because the fort is really large and noisy. So if you want to speak with us, can you please make a noise in the room, maybe? Can you make the noise again, or try to speak, or try to sing, maybe? You can knock on the doors, but if you do that, please try to do it with the door that there is in this room. We know that this was used to the military during the Second World War. We know that it was a difficult period. Elle m'a fait peur, le mannequin. Ah, oh, quelle connasse. Il y a des mannequins partout, putain. Ah, quelle idée. C'est fou le nombre d'objets qu'ils ont accumulés. Ils ont beaucoup d'artefacts. Hein. Enfin, leur collection est incroyable. Alors, il m'a dit que quand je lui ai demandé justement le vrai du faux. Ouais. Alors il m'a dit que par exemple ces armes là c'est des fausses. D'accord. Voilà. Elles n'ont pas vraiment servi en temps de guerre. Tout le reste c'est du vrai. Tout le reste c'est du vrai. Donc ça, tout ça c'est du vrai, ces armes là. Ces armes blanches. Enfin, bien sûr que c'est du vrai. Mais... Okay, so we already have introduced ourselves. We are trying to communicate with you. We are trying to find proof on life after death.
So, is there anyone with me, with us, right now in this room? If yes, can you make a noise, please? Were you a soldier? We've heard a strange story about a man. His surname is John, or could be John. He has been... Comment on dit décapité? Beheaded. Have you heard about that? Is that true? Ma tête. Ok. Non, ça va, je crois pas. Mais ça va peut-être. Are you here with us now? Please be nice. Merci. Are you a man? Je crois que cette histoire de cette odeur de tabac. Elle va, elle vient. Là, tu vois, je la sens encore. Il n'y a pas un pot à tabac. C'est fou. Alors, en même temps, je l'ai senti de l'autre côté. Il faudrait complètement y avoir un pot à tabac, là. Is that you smoking? Do you miss smoking? Do you want to smoke with us? Do you want a cigarette or a cigar? C'est fou. Ça vient par vague. Comment c'est? If you are actually looking for a smoke, here is what we can do, and I promise that we will do it. If that's what you're looking for a cigarette, we have cigarettes. We can give you one. But we will give you one if in exchange you make a noise for us. So you have my word that if you make a noise now, we will come back and bring you a cigarette. Come on, do it now. If you want to smoke, now it's your time. If you don't make it. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bougé ma lampe. Ah oui, alors vas-y, fais-le. Mais remets-toi dans la position où t'étais. Bah, moi c'est mes yeux, donc vas-y, je suis dans la bonne. Pff, j'ai dû faire c'est ça. Pas toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pff, bah, je sais pas. C'est sorti de la pièce. Yo. Can we come closely? Dans les escaliers comme une boule de lumière, mais je sais pas du coup si c'était une chauve-souris, elle aurait dû être noire. Could you appear again? Could you do that again? As Vanessa said, we heard a story that people who come here see someone, a guy, they say. And they named him John. So is John with us? Are you here with us? Have you been killed here? Were you an innocent? Were you an innocent? Encore? Tes cheveux? Mais c'est, même si c'était moi, c'est pas du tout mon tabac, c'est vraiment, tu vois le vieux tabac. De, du,
de la boîte à tabac. Ouais. Tu vois, quand tu ouvres, ouais, et que... Mais ce que je trouve incroyable, c'est que je le sens pas, moi, en fait. C'est ça qui est fou, il y a clairement le son. Ça vient de temps en temps. C'est un peu étrange, mais... Non, je sens pas du tout. Mais là, vraiment, ça me suit, ça fait trois pièces qu'on fait, tu vois. C'est pas possible. Toi, du coup, je le sens pas, je me confirme que je ne sens pas le tabac. Mais ça sent pas du tout autour de toi, en fait. Je le sens pas, quoi. J'ai pas reniflé de peau à tabac depuis genre 15 ans, donc je pourrais même pas dire que je me suis imprégnée de cette odeur et qu'elle est restée dans mon nez. Et j'ai pas vu depuis tout à l'heure un pot à tabac, pas en tout cas en apparence. Here's what I'm going to do right now. I'm going to look for a cigarette for you. And I'm going to give it to you, whatever. You did or you did not. I don't know. Maybe you did not do anything. But I want to give you this cigarette because I can feel that you want it so bad. So don't move. We're going to stay with you. Malgré toutes nos tentatives de communication, nous ne parviendrons pas à comprendre d'où vient cette odeur fantôme de tabac. À Cannes, c'est là-bas. Et au Kin, c'est là-bas. Ok, c'est parti, attention. Just show us that you're here. Move something, make a noise, footsteps. Maybe we can hear your voice. We heard that sometimes you can touch people. If you want, you can try to touch me. But kindly, please. I'm not afraid. Est-ce que vous comprenez le français? Oh. Are you behind the... Are you hiding yourself? Don't be scared, please. We are not here to harm you or anything. Thank you.
très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un mannequin dans chaque cellule. Ouais. Ok. Bonjour. Alors attends, viens, parce que c'est pas flagrant là. Ok, c'est pas celle-ci non plus. Enfin, si là, ça se voit un peu. En fait, les soldats, ils ont mis des graffitis. Ce qui fait qu'il y a des endroits où on peut peut-être avoir des noms ou des dates. Les oreilles qui sifflent la mort. Ouais, bah, je me sens pas bien physiquement là. Ouais, bah moi non plus, mais. Mais ça m'a pas fait ça du tout. Ouais. Même le début de la journée, je suis pas bien. J'ai la nausée, j'ai du mal à respirer, j'ai la crâne. Hein. Moi j'ai un peu la nausée, mais ça doit froid, ça saute la tête. T'es pas hyper. Hein. Après, c'est des cellules quoi, mais. On n'est pas bien aussi parce que c'est des cellules, on touche déjà un petit peu au paranormal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune explication physique. Quelle idée de mettre des mannequins partout. Ouais. So we are here in the former prison of this building. First we know that the people who built the fort were prisoners and French. We speak English because we think that mostly people here speak in English, but feel free to respond to us in French if you know to speak French. We also know that it was English people who were prisoner here. They were waiting for their judgment. We know that the life in a prison is not easy, and we can easily felt the oppression of the place and the sadness and maybe despair. But if you still here, know that you have the possibility to get outside and get elsewhere. You don't have to be here anymore. Your sentence is over. Oui, j'ai entendu. C'était tout petit, mais oh oui. Comme on l'a pas entendu jusqu'à présent. We can imagine that you've been missing your family and maybe your lovers. But now you can just go and find them.
pas, je me sens... Tu veux t'asseoir? Non, ça va. If there is anybody here in the cells with us or in the corridor, could you please make a noise? The guy who still works here, he told us that he thinks that maybe there were some, I won't say accidents, but maybe some bad stuff that happened here, and he thinks that maybe some people died here, and that we don't know their name, and that their story was not told. Maybe you need a story to be told? Maybe you could use us to tell the story? Séance, cellule du fond, chou, bonnet, le fort Darwish. Je pose le dictat sur la grille en métal. À nouveau, nous tenterons de nombreuses séances de communication sans résultat. Ah, Henkin. Ah oui, ça ressemble à une école. Après, ça ressemble à une école parce que ce sont des chapitres. If you are here with us, can you make some noise? Don't be scared of us. We are just here to visit and to meet you. If we can help, we would be happy to help you. So just tell us. Or make yourself known. Make a noise or something. Make a noise or something to prove us that you're here, because maybe we can't see you or we can't even hear you. It's very difficult for us. That's why we have all those things that you can't see. We don't know if you're not here, or if you're here, or maybe you're shy, or scared, I don't know. Can you give us a little something? Can you make a little noise? Okay, Que c'est les filles, c'est les filles. Les filles. Ouais. Elles ont ouvert la porte, elles l'avaient fermée. D'accord. Okay, we are about to leave the room because we don't feel like you want to communicate or maybe you're not here. So that's okay to us if you don't want to. Malgré la frustration de n'avoir aucun résultat, il est capital pour nous de rappeler aux entités que rien ne les oblige à nous parler si elles n'en ont pas envie. Donc on doit faire le Dale et Bigode. Et Bigode. Bah écoute, on va commencer par là. Comme tu te sens ici. Ça va? Ouais. If there is anyone here, can you make some noise, please?
soldier costume. So maybe you've been in one of them. C'est calme. C'est hyper calme. Je sens rien. C'est fin. C'est serein quoi. Tu vois, y a pas de. Je me sens pas lourd, je me sens pas. Tu veux pas m'écouter? Attends. Oh, bouge là où t'étais. Il y a eu un loup qui est passé sur. C'est peut-être une bête, mais attends. Tu veux le voir, tu veux qu'on l'écoute? Bah écoute-toi, parce que. Bon, c'est vraiment c'est différent. Un des phénomènes qui a déjà été vécu et enregistré ici, c'est le bateau qui tangue. Qui tangue. Ah ouais. Wow. Ce qui doit faire son petit effet, je pense. Ah ouais, c'est clair. Pourtant, c'est bon. Il est très probable que ce son soit d'origine naturelle, mais il est suivi d'un autre phénomène qui, cette fois, pourrait s'apparenter à un PVE. We've been in all the rooms almost, and we can hear in the evening. We've heard some footsteps and maybe a voice, a woman voice, but we're not sure. And okay, so the noise we just heard is that noise. Et là, je peux quasiment certifier que c'est naturel en fait. Je pense que c'est lié au drapeau et c'est lié au truc. Voilà, ça. Mmh. C'est la porte. Ok, c'était ça. Voilà. On a déjà le truc qui nous suit depuis le début. Par contre, comment on l'entend partout? Parce que peut-être qu'il y a plus d'une porte qui fait ce bruit là. Toutes les portes font ça. Ouais. Peut-être. Bon, voilà, ça c'est réglé. Bah, c'est fait. We know that some people were kept prisoner here. We. Oh, il y a un bruit. Où ça? Là-bas, dans le fond. Je sais pas ce qu'il y a, mais. C'est un bruit assez étrange. I was saying that we know that a lot of people were kept prisoners in the fort during World War II, but probably during some other times. And people think that also maybe a few people were killed here. And that's one of the things that we are trying to discover, to understand tonight. But we cannot do it if you don't help us. We need you and you need us. So
Again, as Vanessa said, we don't have much time left. Did you join us or are you around moving? If that's you, thank you. Notre nuit d'enquête touche presque à sa fin et rien d'anormal ne s'est produit. Nous nous regroupons afin de discuter d'une dernière stratégie. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, comparé, enfin je veux dire, on est bien en termes d'attitude, tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des lieux moins flippants, où on a eu beaucoup plus peur, enfin, aussi parce qu'il se passait des choses, mais... Ah, vous êtes déjà là? Ce que je disais, c'est qu'entre les gens qui sont passés, l'histoire qu'il y a eu, et surtout les objets qu'il y a partout, en fait, toutes les conditions ici sont réunies pour que ce soit un feu d'artifice. Ah oui, puis il y a un spoiler là, le « non, parce que ça, c'est pas du tout. Hein. » C'est quoi, c'est en fait, c'est les, la porte, les petits crochets, là. Quand elles sont accrochées aux crochets, ça fait un premier bruit quand ça tape, et quand ça reprend sa place, ça fait ce bruit-là. Okay. Ça fait le. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Le bon truc qu'on pensait avoir. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est ça. Le seul truc qu'on était là, genre, voilà, là, là. Et en fait, c'est de ouf, quoi. C'est fou, quand même. Après, voilà, ce qu'on me disait, c'est qu'aussi, on verra des rushs. Oui, tu vois. C'est pas non plus. Mais là, clairement, on sent que c'est passé, quoi. Ouais, là, je pense que pour ce soir. Soit ça n'a pas communiqué avec nous. Soit ce soir c'est pas actif. Je sais pas, mais là en fait c'est un peu. Et si on essayait de faire ce qu'on a pas fait depuis quelques enquêtes, de se faire un kumbaya, mais vraiment genre à l'ancienne, on s'assoit, on se tient les mains et tout. Et parce que en gros je dis ça parce qu'en t'écoutant parler, quand on fait ça. C'est ce qu'on disait, et c'est pour ça qu'on faisait, c'est qu'en gros, on se concentrait sur nous et que ça leur laissait la place pour faire des trucs s'ils voulaient. Qu'effectivement, si jamais ils ne veulent pas répondre, entre guillemets, à nos attentes, peut-être en disant, ben voilà, là, on a 5 minutes, on vous laisse, allez-y. Et là, on est tournés les unes vers les autres, ça peut peut-être faire quelque chose, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, donc on va à l'INSEE et on regarde comment on peut se poser. On prend toutes les cames. On s'entoure des cannes, on pose des dictats, machin, des loupiottes, des blabla, on se met au centre, on dit 100 minutes, on fait 100 minutes et puis on voit. On fait ça? Ouais. Alors Lindsay, on fait le tour et puis on va bien voir. C'est de l'autre côté, tu crois? Non, ça a l'air d'être vraiment de l'autre côté. Parfait.
Oui. Alors, vous nous voyez, on s'est toutes rassemblées là, dans cette pièce qui s'appelle l'INSEE. C'est notre dernière séance ce soir. On a l'impression que vous êtes soit timide, soit vous n'avez pas très envie de faire ce qu'on vous demande, on peut le comprendre aussi. Mais du coup, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est, ben voilà, vous l'avez vu, nous, de rester là au centre de la pièce pour essayer de se concentrer un petit peu sur nous et de former un peu un cercle d'énergie. Et on vous laisse toute la place autour de nous. Vous voyez, on vous tourne le dos, on est vraiment en lâcher prise totale. On va faire un petit peu le silence, on va vous laisser le temps et la place. Et on espère que vous voudrez bien nous faire un signe avant qu'on parte. Voilà. Énervée de ta main que je sens trop fort. Ouais, je sais. Mais je me suis concentrée sur toi, tu l'as senti ou pas? Ben grave, ouais. Tu m'as engourdi la main de ouf. Mais elles sont comme collées dans ma main. Ouais. Tu le sens ou pas? Bah ouais. En fait, je sais pas où termine, où commence ta main et où termine la mienne, enfin tu vois. C'est cool. Il aurait fallu qu'on change de pays pour conformer notre première enquête où il se passe rien. Ouais. Ça fait 4 ans qu'on dit aux gens, genre, on a une chance de débutante, on a toujours des trucs de fou. Et ben voilà, ça y est, on a eu notre enquête où il s'est rien passé. Again. Attends le résultat. Ouais, mais même les séances de dictat, on les a toutes réécoutées sur le coup, quoi. Tu vois. Alors, oui, effectivement, elle manque vraiment, on loupe, hein. Je suis John et je n'ai pas de tête. Tu vois. Et sinon. Un truc visuel, je sais pas. Peut-être un truc visuel, ouais. Peut-être un truc visuel. Bon, allez, on met fond au calvaire, là, tout le monde est épuisé. Ouais. Ah, c'était voir, intéressant, de toute façon. Ouais. C'était super intéressant. Et juste le lieu. Ouais, ouais, trop bien. Rien que pour ça, pour passer une nuit ici. Bon, ouais. Oui, oui, c'est clair. Ouais, écoute, quoi. C'était fou. Allez, clap de fin. September day, there was a chill in the air, and I was wondering if you still love me, or if I even care. We were standing out on the back porch, two hearts tangled in another fight, when a flock of geese